Ils sont attendus par les enfants et surtout les parents. Les cahiers de vacances connaissent chaque été un grand succès. Parmi toutes ces références, l'une d'elles a été conçue à Chatou, dans les Yvelines. Alors qu'elle est professeure des écoles, Virginie Becquet ne trouve pas son bonheur dans les cahiers existants pour ses enfants. Elle décide de se lancer dans l'aventure Jules et Léonie il y a 5 ans. J'ai eu cette idée de créer des cahiers de vacances qui fassent grandir l'enfant dans toutes ses dimensions. Qui n'est pas que la partie scolaire, mais qui a aussi des aspects qui vraiment lui fassent prendre confiance en lui. Les deux personnages voyagent au cœur de l'histoire tout en faisant réviser les notions de l'année écoulée. Un frère et une sœur nés sous le crayon de Laetitia, amie d'enfance de la fondatrice des cahiers. Nous sommes tombés tout de suite d'accord sur une ambiance graphique et colorée. On voulait des cahiers qui soient à la fois ludiques et sérieux, mais que le côté ludique apporte la dimension d'apprendre en s'amusant aux enfants. Et Jules et Léonie ont été rejoints par une petite mascotte qui s'appelle Pouic Pouic, le canard, pour apporter cette petite touche d'humour décalé. Chaque cahier nécessite un an d'écriture. Commercialisé pour la première fois en 2019 dans les librairies et de grandes enseignes culturelles, il existe pour l'instant 3 niveaux. L'année dernière, on en a imprimé 3000, donc les 3 confondus. On a quasiment tout vendu, donc ça c'était, voilà, on était contente avec Laetitia parce que c'était un peu le flou artistique, on ne savait pas trop. Et donc cette année, on en a imprimé 3 fois plus. 2 autres niveaux devraient être disponibles l'année prochaine. En plus des exercices de maths et de français, les cahiers proposent des petites pépites, moments à partager en famille ou encore des leçons de bonheur.